Wow, Pipoulet! Wow, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui vous arrive, vous, Pipoulet, là? Ça va, c'est un plaisir d'attaque que c'était pas venu. Eh oui, dis donc, et ça va, la forme? Ça va, vous, qu'est-ce que vous racontez, vous? Rien, je suis à un barrage, là. Vous faites un barrage? Oui. Vous chopez des malandres, j'espère, vous avez foutu des herbes partout, j'espère. Oui. Il y a 38 qui me dit ultra efficace comme barrage, on a croisé personne. Ah, mais ça c'est bien ça. Mais ça c'est bien, ouais. Mais il n'y a rien à foutre, 38, c'est quand même pas mal, non? C'est qui ça, 38? C'est grâce à notre barrage. 38, c'est une officier. C'est comment votre nom, 38? Vous abusez, vous me l'avez demandé tout à l'heure. Mais je sais pas, moi, vous croyez que je retiens tous les noms comme ça, là? Mais c'est une syllabe quand même. Ursula. Non, une syllabe. Ursula? Une syllabe. Ursula, eh bien écoutez, c'est assez bizarre comme blase, mais... Ursula, eh bien Ursula. Oh tiens, j'en ai, on a une voiture, on a une voiture. Allez, je vous laisse. Eh bien le bonjour, qui là? Bonjour, Pipoulin, ça va? Eh Pipoulin, on se pose une question. Ursula, Ursula, ça, Ursula, oui. Mais c'est ça, c'est pas du tout, c'est Zoé. Mais vous m'avez dit Ursula tout à l'heure. Mais on se connaît, madame Doc. Mais oui, ça y est, je me souviens de vous. Comment allez-vous, madame Doc? Ça va et vous? Ça va très bien, la baisse en. Et vos parents vont bien, qui là? Oui, très bien, et vôtre? Brigitte. Brigitte. Ah, Brigitte est décédée. Ah putain, vous me l'aviez dit, je suis désolé. Ah ouais. Oh merde. C'est vraiment un fumier qui. Et c'est d'ailleurs la dernière fois que... Ah merde, c'est vrai, c'était la dernière fois que j'avais vu. Il m'a dit que sa mère était décédée. Oh mince. Ça va les deux loustiques? Ouais, ouais, tranquille. On va vous amender, on a tranché avec 38. Pourquoi il y a un mec qui pleure là? Heureusement qu'il était. Laissez-le. S'il vous plaît, laissez respecter les défunts et les défuntes des familles respectives. Ah, bah, je peux pas savoir, je peux pas savoir. Voilà. Regardez pas, Ursula. Je m'appelle Zoé. Merci, y a tous qu'on est 100 bits. Et ouais, c'est Freddy. C'est un diminutif de Frédéric ou pas? Ah, pas du tout. C'est mon vrai prénom. D'accord, Frédéric. comment? Vous aimez pas Frédéric, leur voiture? C'est Freddy, merde. Ah bah écoutez, que vous m'appellerez Ursula, ce sera Frédéric. Mais je vous ai demandé votre prénom, c'est ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Hein. Mais pas du tout. Et si. C'est Zoé. Zoé, d'accord. Oui Frédéric. Allez, je téléphone à mon mentor. Faites ça Frédéric, faites ça Frédéric. Bon attention, ça frôle l'insubordination, là je vous rappelle que je suis inspecteur. Hein. Ça m'ouvre pas là, hein? Ah, excusez-moi, vous appelez comment déjà? Freddy. Ok, faut pas le prendre mal, j'ai des problèmes de mémoire, Frédéric. Ouais. Freddy, ça va, Mr. Kruger, je dois y aller. Oui, allez-y, allez-y, machin chouette là. Ouais, je vais peut-être justifier mes 170$ du quart d'heure, hein, normalement. 70$ du quart d'heure? 170. Ah oui, quand même, j'allais dire. C'est vous qui montez le prix là, parce que là, je parlais avec une officier là. Qui gagne ouais. 115 ou 120 du quart d'heure, c'est n'importe quoi. En plus, elle branle strictement rien. Et moi, je gagne guère plus qu'elle. Hein. Combien? Je sais plus, inspecteur. Oui, allez, cassez-vous de là, putain, elle est trahie, merde. J'ai coupé le micro, là. Ah, merde. Ah oui, j'ai coupé le micro, pardon. Ouais. Et moi, je sais plus combien je gagne, hein, pas beaucoup, hein. 130? 140? Je sais plus. 100... Oui, bah ça va, hein. Oui, ça, oui, attendez, ça. Vous gagnez 130, 140, vous gagnez quasiment pareil qu'un procureur adjoint, vous? Ah oui? Bah attendez, je vais voir ça, hein. Oui, je vais voir ça, enfin, oui. Oh, quoique j'en ai rien à foutre. Bah oui, c'est pas votre thune. Ouais, non, j'en ai rien à branler, en fait. Ouais. Oui. Mais c'est bien. Oui. Bah après, vous savez, hein, vous faites un métier à risque aussi. Merci, hein. Par contre, elle a vraiment une tête à sa pure Ursule avec ses cheveux blancs. Hein. Et c'est vrai? Oui, non, vous trouvez pas? Ouais, bon, j'aurais dit Monique ou Ginette, hein, je sais pas. Oui. Okay. Ouais, en plus, ça a une manière de courir un peu bizarre, on peut vous dire. Hein. Bon, allez, moi j'y vais rendez-vous chez le dentiste. Hein. Allez, ouais. Ouais, c'est le dentiste, vous t'es mec. Qui t'a appris à faire du vélo? Eh ben, c'est bien, je vais être content pour vous, tiens. Ah, ouais, vous avez vu, ouais, je vais pouvoir faire comme vous. Allez, bon, allez, c'est pas que j'en ai rien à foutre, mais voilà. Allez, ouais. Ok, au revoir, Frédéric. C'est 19, elle est avec 35, hein. D'accord. Et donc? Non, je comme ça. Ok. J'étais censé comprendre un truc. Ah non, absolument pas, non. Qu'est-ce qui se passe, là? Qu'est-ce qui se passe, Mason? Code rouge. Code rouge. Ah, bah, voilà. Code rouge. Quelqu'un peut sortir Henri pour voir s'ils sont en haut? De 42, je crois, exactement.
l'inspecteur Hunt, tu serais pas en son état normal. Pas Hunt, Duck. Ah putain, mais. Appelez Duck. Appelez Duck, ouais. Qui, moi? Oui. 10-4, 10-20. Ah, pourquoi elle va pas bien, et apparemment, de ce qu'on comprend, elle a deux doigts de se suicider. Non, mais quoi? C'est pas des blagues, oui. 10-4, vous chantez Alta. Apparemment, ils l'ont trouvé. Désolé pour le fausse alerte. 10-4. 10-4. Pas de soucis. Ah, mais putain, j'ai pas oublié son numéro là, je le cherchais pendant 20 38, 38, 38. Quoi, dans 20-19. Ah, venez, on chantier. On a pas de voiture? Si, on vous inquiétez pas. Et du coup, 0-5 devait une carte de victoire. Mais lâchez-moi! 10-4. Madame 42, reprise de patrouille. Et 10-4. Il est content. Mais. Commencez pas. Mais je fais rien. Vous êtes trop rapide, Marty. Attendez, Marty. Et si, attendez, attendez. Attendez, voilà. Est-ce que j'y vais ou pas? Pied à terre, coiffeur. Disquette. 06 et 12, devient un M12 et M4. Alors 226 pour 14, le SMS a apparemment reçu un appel d'urgence au chantier Alta. Est-ce que je vois rien sur les points? On vous laisse 19 à... Oui, oui. Ouais, je suis quasiment sur le lit. Il est monté, puis il a voulu descendre, donc... Il est en entre-deux, là. Eh, parce que 35 a disparu? Non, 35 est tombé. Putain, j'appelle bon, c'est une blague. Passe-moi les clés, s'il vous plaît. Là, on va avoir les patrons du SRS qui vont arriver. Oui, on va y avoir un s'il vous plaît, merci. Ah oui, puis ça tombe bien comme l'ambiance est bonne. Attendez, peut-être qu'avec un petit peu de doigt, il s'est trompé, même de chantier. Allez, la position. Non, c'est bon, c'est là. Ah, j'ai. Du coup, on. Parce que désolé, je suis pas du tout au courant de l'histoire, mais c'est quoi le truc alors? Du coup, c'est quoi l'histoire? Bon, bah non, vraiment, elle va bien. C'est eux qui s'inquiétaient pour rien. Qui a pété un câble, qui s'est inquiété parce que pas l'air assez normal pour lui. Vous êtes sûr, c'est pas lui? C'est pas lui, mais c'est pas lui qui a pété un câble? Oui, bah je me suis en train de me poser la même question là en fait. Non, il. Parce que faire pas de petit coil et moi derrière, c'est bon quoi. Non, non, il me cherchait, il m'a dit. Bon, bah, ouais. Le SMS va arriver, tiens. Attends, on va encore perdre demain, un organe, hein, c'est sûr. Contrôle, vous pourrez aller check, Oh putain, commissaire. C'est sur moi. Toi. C'est vous, commissaire, pas moi. Les congés payés. Ah, attendez, je vous envoie ça. C'est quoi la voiture? C'est quoi ça? Ah, pour ma part, j'ai plus de numéro d'attente. Non, je regarde la voiture. Discote. Je. Parce que ça parle des congés payés, Mason. Alors, pas au problème, vous foutez. Il m'a dit c'est capitaine commissaire. C'est. Ah oui, ah oui, c'est le commissaire. C'est bon, je peux arrêter de faire semblant. C'est le commissaire qui a toujours géré ça. Ah ouais. D'accord, ok, ouais. Le commissaire peut toujours vous dire. Ah oui, d'accord. Le capitaine, c'est pas votre problème. Ah oui, ça c'est bon. Ah bah ça. Sauf s'il vous décide. Ça va? Sortir. Il est conscient ou pas? Non, il est conscient. Attendez, je vais prendre. Je peux mettre ma main dans sa poche pour prendre ses clés de voiture? Non, non, allez-y. Merci. Mais je les trouve pas, elles sont où? Salut! Elles sont où ces clés de voiture? Il les met dans la poche arrière de son jean en général. Ah oui, peut-être là d'ailleurs, du coup. Dans l'autre. Bah, l'autre poche alors, du coup? Alors peut-être l'autre poche? Bah, normalement, oui. Normalement, elles doivent être là, les clés de voiture, hein? Ouais, ça peut être là, ce qui est compliqué, c'est qu'à ce moment-là, il a une fausse doublure, donc il fallait regarder derrière la doublure. Ah, donc derrière, peut-être dans sa poche de manteau, non? Au pire, on le dessape, hein, ce sera plus simple, hein. Oui, parce que là, si on va pas s'en sortir. Attendez. Ils ont rien de les tenir! Ah, ouais, là, mais elles étaient là, elles étaient. Ouais, vous aviez raison, ouais. Ok, c'est tout. Alors du coup, je vais vous les redonner. Vous avez pas de voiture, vous Non, j'ai pas de voiture, là. Mais j'en fous quoi de ta voiture, hein? C'est celle-là. Oui, c'est pas... Oui, d'accord, ok.
J'ai réussi à prendre les clés de voiture. Hein. L'autre, il a glissé hors de l'ambulance, là. Oui. Oui. Ah, et l'ambulance est fermée. Oui. Ouais. Oui. Okay. À tout de suite. Elle est beaucoup, hein, ça va aller. Après, okay, c'est bon, c'est ouvert, vous pouvez rentrer dans l'ambulance. Scat. Bon, il a l'air d'avoir mal le pauvre hein. J'ai mis hein. Oh putain. Oui, j'ai mis fort hein. Mais vous allez bien capitaine parce que vous avez quand même couru. C'est de l'insubordination ça tempête, c'est quoi? Je reconnais ça. Non, pas du tout, je me m'inquiète pour vous. Et parce que je suis capitaine quand même hein. Oui. Mais très bonne remarque. Vous êtes pas inspecteur pour rien hein. Ouais, non mais vous avez pas été inspecteur pour rien. Un de ces moutons, il est monté inspé parce que Moulin était monté inspé. Ah bah putain. Ouais. Quoi? Vous vous rappelez la réunion des inspecteurs là que je me suis pris plein la gueule par la capitaine là? Ah et ben putain j'avais rien à être capitaine tiens. Eh ben j'avais rien à être capitaine en scène. Ouais, les enculés là. Oui, vous êtes sur un truc là ou pas? Pas du tout, non. Vous pouvez venir au commissariat dans mon bureau s'il vous plaît. Et bah, tous les inspecteurs. Alors attendez, y'a qui comme inspecteur là? Y'a moi et Dose actuellement. Et bah, d'accord, mais vous en parlez pas à la radio, d'accord? Ok, Même sur la radio Inspé, vous en parlez pas. Ok, bah, je préviens Dose par téléphone. Oui, oui, ça marche, merci. Je suis déjà au téléphone pour le coup, mais je vais essayer là-bas. Ok, à tout à l'heure. Bah, de toute façon, nous on n'y est pas au commissariat, on y va. Ok, bah, de toute façon, je range juste à côté. Ouais, j'ai là. Bon, on va pas tourner autour du pot. Ça fait... Alors, chuchoter tous. Oui, chuchoter tous. Bah, suspendu. Ouais, chuchoter tous. Ça fait quelques jours, quelques semaines, peut-être même. Qu'on surveille activement ce qui se passe à l'intérieur du SPD. Il y avait quelque chose. Bizarre, entre guillemets, on va dire. Mais bon, rien de. Enfin, il y a des trucs bizarres, mais rien de. Vraiment concret, de raison de s'alarmer, mettre l'alarme à 100% et tout. Et depuis 3-4 jours, là par contre, un petit peu. Encore plus ce soir, quand on retrouve quelqu'un, un criminel du Nord, avec une MP5, qui a été vendue par quelqu'un du SPD, aux alentours de 19h30. On a vu... Là je vous dis tout ce qu'on sait. Hein. On a eu rendez-vous là avec ces personnes-là. Ces criminels qui nous ont pas voulu nous donner de nom ou quoi que ce soit, mais qui nous ont aiguillé. Très simplement, il y avait 4 suspects suivant les prises de service et les fins de service de ce soir. Il y avait Hunt, Duck, White, Warren. Il y avait Buckley et Delos, mais eux, on les a mis. Dans la case, c'est pas possible. Mais dans la case, en mode. Ça m'étonnerait. J'ai trop mon travail pour faire ça, quoi. Oui, oui. Du coup, il y a 4 noms. Ils nous ont demandé combien on en avait, on a dit 8. Du coup, ils nous ont dit, bah, vous nous dites un grade et on vous dit si c'est plus ou moins. Du coup, on a dit sergent. Alors, si c'est plus. Toujours sud-crate. Et si on répondait moins, ils répondaient, c'est soit le grade, soit moins. Par exemple, on disait. Oui, officier supérieur, ils disaient officier supérieur ou moins. Sachant que 09 est officier supérieur, Wade est officier, Delos et Buckley sont sergents, on a dit sergent, et on nous a dit plus. Du coup ça peut pas être sergent, mais ça peut être plus que sergent. Et juste avant ils nous ont dit un truc, c'est que ça pouvait pas être lieutenant. Sergent chef inspecteur. Sergent chef, elle n'avait pas en service. Du coup dans les deux noms, c'est Hunt et Duck. Qui était, bah, qui en plus sont fait agresser, non, c'est ça? Qui sont fait agresser, qui en... enfin agresser, du coup, je mets des guillemets, qui en plus de ça. Comment ça, ils sont fait agresser? Oui, un rapport de l'OSP. Qui en plus de ça. Qui en plus de ça. On fait voler de tenue SPD chacun, pas chacun. Non, pas encore là. Ah ouais, dans. Ah oui, ils sont fait, ils sont fait pit par derrière. Ah, mais j'avais pas vu ça. T'as en fait pite par derrière, les types les ont braqués par derrière. Alors... moi ce que je comprends pas, moi je fais vite par derrière, j'accélère quoi. Eh mais j'avais pas vu ça. Ils étaient ensemble?
14 et les autres. Bonjour, c'est le call RS. Non, mais on est occupé, meilleur, il vient de m'appeler. Ouais, oui, un peu occupé. C'est un mouton, entre jamais, frère. Vous avez tout dit, vous avez tout dit, meilleur, Hunt, le duck. C'est Doc qui a pas le chip, Hunt. C'est ça. Je veux dire, c'est parce qu'il y avait. Parce que la meuf qui voulait. Qui voulait serrer. T'as pas compris ma vanne. Ils ont pas compris ma vanne. Du coup, du jour au lendemain, il voulait devenir. Du coup, je vous appelle pour ça, pour vous dire qu'on a. On a ouvert une enquête interne. Tout à fait, oui. Et du coup, on vous a mis dessus, vous. Je sais pas si on a mis les conseillers. On vous a mis peut-être. On essaye qu'il y ait le moins de personnes au courant. Oui, non, non, les conseillers ne les mettez pas. D'accord. De les mettre des inclus là-dedans. De toute façon, de manière générale, ils sont pas inclus dans les enquêtes internes. Donc, d'accord, d'accord. Donc voilà. Donc, moi, je ferai le rapport. On a eu un entretien avec des membres criminels du Nord tout à l'heure. Oui. Chez Duck qui m'a appelé. Oui. Pour me dire, oui, pourquoi j'ai pas le droit d'être sur cette enquête et pourquoi c'est eux qui a le droit et pas moi. Et j'ai dit, bah, parce que c'est moi qui décide déjà de 1 et parce que de 2 on nous a demandé de faire ça à point. Mais oui, c'est vieil. Oui, non, non. Et puis elle m'a raccroché en lui-même. Ah bon? Ouais, je vous dis, si on n'avait pas eu photo de trahison sur le cul, j'aurais rappelé, j'aurais dit, par contre, ta petite gaminerie là, tu vas la camer de suite. Mais non, mais faites-le, changez pas vos habitudes. Ouais, eh si, mais rappelez, mais si. Ouais, en vrai, pas faux. Mais oui. Pas faux, pas faux. Voilà, et puis, basta. À plus tard, allez, pas. Oui, inspecteur. Là, on parlait avec le commissaire, on serait plutôt d'avis de convoquer Tic et Tac là. Pourquoi quoi faire, hein? Et puis, comment? Pourquoi faire, hein? Bah, et puis, de leur balancer tout ce qu'on a. Un 4-4, et puis, puis, oula. Oula, mais t'es trahison ou pas? Comment? Trahison, perquisition, tout le travail là, vu qu'ils ont. Ils auraient peut-être échangé des MP5? Oui, ça faut qu'on voit avec le procureur pour la perquisition. Parce que. Le truc, c'est que si on les loupe, ils sortent, je vous dis une connerie, 10 MP5. Et on les loupe, que ça part dans la nature, on va être comme des cons parce qu'on n'aura rien fait. Adam, alors qu'on le savait depuis le début. Oui. Ouais, c'est vrai. Oui, ce que je veux dire. Ouais, moi je check en fait, là je suis sur un toit à côté du commissaire. Ok. Je check, ils sortent par derrière. Je suis sur un toit et ils peuvent pas me voir depuis les caméras. Oui. Parce qu'en fait, okay. À un moment donné, j'étais sous les caméras, il y a Tempest qui me dit qu'ils sont en caméra actuellement, j'ai fait ah. Eh oui, d'accord. Et d'un coup, elle demande en radio 06, il est où là? Oui. Et là, j'ai dit à Palvos de dire que j'étais en 10-6. Hein. Et en fait, je me suis dit, bah, je vais peut-être bouger, je vais me mettre en dehors. Oui. Parce que à l'intérieur, en fait, on va juste les voir peut-être prendre un truc. Il vaut mieux choper à l'extérieur s'ils commencent à partir en filou, quoi. Du coup, il y a Palvos qui va essayer de les accoster là. Oui, si on les convoque et tout là, voulez vous occuper de l'interrogatoire? Vaut mieux qu'il y ait tout le monde, hein. Oui, oui, non, mais on sera là. Et je veux dire, ouais, c'est vous gérez avec Pavlos, moi je serai là aussi, vous inquiétez pas, le commissaire aussi, mais. Et on vous laisse la main, entre guillemets. Je sais plus quoi. Parce que vu que vous avez. C'est vous qui les avez suivis, etc., etc., vous en savez plus que nous, quoi. Qu'est-ce que j'ai pas, plus suivi que tout le monde, hein. Comment? C'est vous qui avez le plus d'infos, hein. Non, bon, on a exactement le même nombre d'infos, hein. Bah, c'est vous qui avez rencontré Viv, hein. Mais oui, mais bon. Oui, c'est vrai, oui, c'est pas possible. C'est un délit de pas avoir des. Bon, ok, je vais voir s'il y a un procureur aussi de dispo et puis je vous redis. Je vous rappelle, ouais, juste après. Faites en sorte qu'il y ait un procureur. Oui, oui, oui. Parce que si vous le faites, là faut leur dire le fait accompli. Faut leur balancer dans le nez qu'on sait qu'ils ont vendu une MP5. Et voilà. Faut leur dire que en gros on faut y le bluff, hein, au culot. Oui, bah parce oui, non mais c'est ça. Potentiel, mais voilà. Oui, non mais c'est ça, oui, c'est le. Et projet, quand c'est que ce qu'ils allaient nous prévenir qu'ils quittaient le SPI ce soir, quoi. Oui, oui, oui. Ça marche. Voilà. Ok, très bien. Vas-y. Ouais, merci. Oui. Putain. Hein. Et si on allait choper quand on les arrête comme Star Trek Hutch, et là on les ramène. Pourquoi pas? Hey, vous croyez qu'on fait ça? Pourquoi pas? T'as dit ou pas? 06, 10, 20. Ouais, on va faire ça. Ouais, on va faire ça, vous avez raison. Puis au pire, on dit que c'est un prank, hein. Ouais, je pense que c'est très rigolo ça. Je pense qu'ils vont rigoler. Dites-en radio, Kid. Ah oui, oui. Non, Kid, dites-en radio, ça, Kid. Enfin, radio, la nôtre. Dites-la en radio, la nôtre. Et je dis à quoi? Qu'on va faire ça? Oui. Bon, en fait, on va pas les faire venir au commissariat, on va les arrêter en ville. Et on va passer qu'ils soient en train de faire une corde. Gamin? Commissaire, j'entends pas! Arrêtez! Oui, Hunt. Oui. Vous êtes où là? Vous avez fait plusieurs calls. On est au commissariat. Vous êtes au commissariat, ça fait plusieurs calls radio que vous faites et puis vous répondez pas. Oui, on a un petit peu eu du mal à entendre. Ah, d'accord, vous êtes où? On
On occupe ça là, on est en train de faire de mettre l'essence sur le rack. Ah d'accord, ah bah oui c'est vous là, d'accord. Ah merde, merci. Je repars. Je vais chercher un petit part. Ça fait 16 ou 17 mois. On parlait de la radio. Et oui, bah comme d'habitude, comme d'habitude. Numéro reçu. Discord. Hola. Oui. Hola, ce matin, si. Détective. Si. Alors, vous en avez ramassé combien? 4. 4 doigts humains, là. Ouais. Bah tiens, c'était pour venez, venez voir avec moi, vous. Oui. Et je me demande si ça fait pas une. Ah, vous m'entendez, inspecteur? Oui. Je me demande si ça fait pas un dessin sur, sur le GPS. Oui. Hein. Les doigts humains là. De 49, j'ai 45 qui a fait un coma, il est sur la route. Je mets ma position. 10-4. Middle finger. Il a oublié sa ceinture ou vous avez un choc? Je sais pas, je crois qu'il avait mal aux yeux et. Je parle pas à SMS, j'ai l'impression avec. J'ai perdu de lâcher son téléphone et de. C'est souvent des cons, commissaire, hein. Oui. Oui. Il dit. Où vous êtes? Oui, bien, s'il vous plaît. Vous avez mené au LSM. Et où, Hunt? Bah, il vous suit. Ouais. D'accord. Je vois pas. Venez, venez 35. Oui. Lincoln 09, je suis à 2 km, je peux y aller si vous voulez. On va rentrer à gauche. Escape. Duck, vous allez rentrer dans la salle là et Hunt, vous allez rentrer dans l'autre salle ou vous entendre dans le cadre d'une enquête. Oh, d'accord, ok. Et des enquêtes et au téléphone, je suis bien sûr. Oui, oui, bah déjà en tant que témoin déjà. Après, peut-être en tant que suspect. D'accord. Je vais commencer dans la salle ici, ça pose des questions. Monsieur Hunt. Oui. Vous êtes là au sujet d'une enquête interne, donc les avocats n'ont rien à faire ici. Si une enquête sur la justice sera ouverte plus tard, là vous pourrez avoir un avocat. Donc vous êtes en train de me dire qu'il faut que j'avoue, mais qu'il n'y ait pas d'avocat. Qu'est-ce que vous êtes en train de me dire? Là on est en train de juger ce qui se passe au LSPD. Ben voilà, j'ai eu toutes les éminences de cette ville, du coup on est bien. Il n'y a pas besoin d'avocat. Mais j'ai pas le droit d'avoir un avocat. Avoir besoin et avoir le droit, c'est pas pareil. Pas avoir. Non, parce que là, du coup, c'est comme je vous expliquais, c'est suivant le règlement interne du SPD. Si les choses qu'on vous reproche plus tard. 52, vous pouvez expliquer à 35 ce que c'est, enfin, à Hunt, pardon. Faut que j'explique aux deux. Parce que j'ai pas compris votre histoire. 10-4, je finis avec 38. Ça marche. Puisque là, on juge une affaire interne au LSPD. Savoir si vous devez rester ou pas au LSPD. Le fait parce que je suis pas passé sur la rue parce qu'on avait peur. Ah non, ça, attendez, ça c'est un petit bout de l'histoire. Attendez, il y a bien plus quand même. Bah je vois pas, j'écoute. Ah bah non, bah attendez, je vais expliquer à 35 parce que pareil, il comprend pas pourquoi il a pas le droit d'avocat. Oui, bah. Oui, donc. Ah. Vous êtes là au sujet d'une histoire d'une enquête interne. Mm-hmm. Interne au LSPD. C'est-à-dire que vous n'écoperez d'aucune amende en sortant d'ici si vous avouez des choses ou si vous êtes retenu coupable ou je ne sais quoi. 65 sera une sanction. Fréquence. Comment? Exactement ce que j'ai dit. Oui, ce sera une sanction interne au LSPD. Moi je vous dis que tant que j'ai pas d'avocat, j'ai rien à dire. Mais vous ne pouvez pas avoir. Ben mais c'est que ça va être compliqué en fait là. Puisque en fait l'avocat n'a aucun pouvoir ici. Puisqu'on... C'est de l'interne là, c'est pas du pénal. Oui. Vous prendrez un avocat plus tard si vous voulez. Mais là en fait non. C'est pas du pénal. Hein. Après le LSPD peut vous attaquer pénalement. Par la suite. Si on a des choses réelles à vous reprocher. On l'a de toute façon. Oui un peu mais... Vous voyez ou pas ce que je veux dire 35? Oui non. Je vais prendre ça pour un oui, moi je repars de l'autre côté parce que... Ouais. Je laisse rappeler Madame Taylor, C'est vu avec le vice-gouverneur et les procureurs, monsieur... Je vais rappeler Madame Taylor.
Alors, oui, allô. Oui, bonsoir, capitaine. Alors, on a checké un petit coup. Concrètement, si ça reste dans du disciplinaire, oui. Donc c'est de la mise à pied et du licenciement, oui, d'accord. Il n'y a pas forcément besoin d'avocat. Par contre, du moment où vous voulez suivre derrière avec des amendes et oui, déposer mais à ce moment-là, plainte, à ce moment-là, on déposera moment-là, plainte. Effectivement, il faut déposer plainte. Oui, voilà, oui. On fera en deux temps. Oui, oui, on fera en deux temps. Ok, voilà. Ça marche. Merci. Merci à vous. Elle refuse de donner son historique d'appel. Ah bah tiens. Donc, pour quelqu'un de bonne foi. Du coup, on va les mettre à pied à titre conservatoire et on va ouvrir une enquête judiciaire. Donc. Du coup, niet, c'est ça ? Oui, niet. Même son tout historique d'appel, elle a pas voulu le donner. Elle m'a rayonné. Ouais, bah donc si elle a pas voulu le donner, oui, non, mais oui. Elle est pas passée sur les canaux de Vespucci parce que ils ont peur de VB, mais pourtant elle l'a contacté pour acheter une VSTR. Enfin bref. Mais comment est-ce qu'il La MP5, ça, non. Elle a même pas cherché à savoir qui a balancé la MP5. Et lui, il veut. Et lui, il veut pas donner son historique non plus, j'imagine. Et si, lui, il a donné. Ils vous appellent souvent quand ils sont pas contents du LSPD, les VB? Surtout un chef de l'air, on vous appelle. Il vous appelle souvent, non, commissaire vous... Pas moi d'appeler le chef de l'air, non. Si vous vous faites menacer. Oui, monsieur Den, bonjour, je vous dérange? Comme d'hab, toujours. Comme d'hab. Et pourquoi vous menacez mes agents, là, parce qu'on a repris une rue? Quoi? Et là, vous menacez c'est mes agents. C'est quoi, cette histoire? Et là, j'ai un agent, là, que... Il est menacé par vous parce que... parce qu'on a repris une rue ou je sais pas quoi. Quel agent? Un agent. Je vais pas vous dire son nom, menacé, son nom de téléphone. Menacé par qui? Et par vous. Ah oui, par vous. Au téléphone. C'était il y a combien de temps, coup de téléphone? Le 35 a été retiré. Commissaire, c'était il y a combien de temps, coup de téléphone? De quoi? C'était il y a combien de temps, coup de téléphone? En tout cas, ses accès ont été retirés. Ah non, on a menacé un agent pour une rue. Il a essayé de m'appeler aujourd'hui, mais j'ai pas répondu. Il y a une heure, et c'est une heure et avant-hier, du coup. Il y a une heure? Oui. Oui. C'est qui? C'est quel agent qui est... je peux dire votre nom, agent? Bah non. Non, oui. Non, il préfère pas. Vous voulez me mettre en danger alors que je suis déjà en danger? Attendez. Non, justement, c'est pour ça, je vais bien le dire. Oui, oui. Du coup, on peut pas avoir les noms? Non, mais il préfère rester anonyme. Anonyme, ah oui d'accord, oui. Parce qu'après leur démission ça risque de leur poser problème, qu'on soit sur leur dos. Ah, vous êtes au courant de ça vous? Fais gaffe à ce que t'écoutes, Kid. Oui, comment ça va? Comment ça? Merci. Bon, tu comprendras. D'accord, merci, ouais. A plus. Ah, bah dis donc, c'est terrible ça. Dites-moi. Et monsieur Hunter, on va rester plus longtemps, là, je pense, dans la petite salle là. Il est resté plus longtemps, pourquoi? Oui, oui, vous allez me dire très clairement ce que vous échangez avec monsieur Dunn. Ce que j'échange avec monsieur Dunn? Oui, oui, oui. Et il vous a dit qu'on avait fait un échange? Bah écoutez, vous allez me parler de vos coups de téléphone, etc. Et puis là, je vais savoir soit si vous racontez de la merde ou soit c'est lui qui raconte de la merde. Écoutez, je vais vous dire très simplement. Oui. Il y a deux jours, je me suis fait enlever par un VB. Oui. Il s'est démasqué. D'accord. C'était lui. Voilà. 05 pour 02, si vous voulez chercher un sac, s'il vous plaît, déposez. Il m'avait mis de mettre dans les poches. D'accord. Et en gros, il me disait qu'il voulait me faire souffrir parce que les Speedy a repris une rue, machin, ils étaient pas contents. Ah, donc du coup, c'est pas monsieur Dunn? Non, monsieur Dunn, je l'ai eu qu'au téléphone. Et qu'est-ce que vous avez dit, Dunn au téléphone alors? Dunn au téléphone, il m'a reparlé de ça, il voulait que je lui fasse sortir des trucs, etc. Ce que j'ai refusé. Pourquoi vous avez pas parlé? Non, mais c'est pas tout ça dans le téléphone, si jamais. C'était il y a quelques jours ça et vous nous en parlez pas. Un criminel de cette ville, un chef de gang. Je vous en ai parlé tout à l'heure et vous savez ce que vous vous souvenez de ce que je vous ai dit? Vous m'avez dit de donner aucun nom, vous m'avez dit qu'ils étaient masqués. Qui était masqué en l'occurrence? Monsieur Hunt? Oui. Pourquoi monsieur Dunn, il est au courant de votre démission? Mais quelle démission? J'ai pas démissionné! Et pourtant, Duck nous a dit que vous alliez démissionner. Hein?
je comprends rien. Et je vais refaire la phrase, elle est très clairement, oui, je vais refaire la phrase parce qu'elle est très simple. Vous aviez démissionné. Non. Vous avez compris là ou pas? J'allais démissionner. Oui, c'est ça. Vous avez compris ou pas? Je la refais ou pas? Oui, j'ai compris. J'ai ok. Compris. Vous alliez pas démissionner? Bah non. Et pourquoi monsieur Dunn nous dit ça? Et pourquoi toi t'as dit que vous avez démissionné? J'ai pas compris. C'est forcément, je pense. Hein. Eh, c'est un coup monté. Hein. Pourquoi toute ta ville sait que vous avez et vous croyez que Dunn, il s'est entendu avec l'autre qui nous a dit qu'ils avaient démissionné aussi là? Qui c'est l'autre qui nous a dit qu'ils avaient démissionné ce soir? 09, pardon. Mais j'en sais rien. Et non, c'est normal, c'est pas à vous que je demande. Vous voulez pas savoir. Parce que à mon avis, vous l'avez peut-être dit à plein de monde. Écoutez, on a déjà un deuxième nom sûr. Écoutez, là, moi, j'ai rien de plus à dire. Ouais. Si, quand même. Donc Dunn me dit. Donc vous alliez pas démissionner. Ah, bah attendez, je viens d'avoir monsieur Patrick au téléphone. Vous lui avez proposé des choses, monsieur Patrick? Tous les deux secondes, vous sortez, vous dites ah tiens, j'ai eu. Monsieur Patrick, vous lui avez proposé des choses ou pas? Mais il était pas disponible juste avant. C'est un homme occupé. Hein. Est-ce que vous avez proposé des choses à monsieur Paxton? Mais j'ai rien proposé à monsieur Paxton. Ah, parce que moi, ils me disent que vous leur avez proposé des choses. Ah, mais c'est encore un commenté ça. Merde. Des petits trucs. Des infos. Des petits trucs. Ah, comme ceux du Nord là qui nous ont dit qu'il pouvait avoir des infos sur ça. Mais c'est incroyable. Le Nord, le Sud, mais c'est incroyable. Ouais. En plus, ils sont pas copains les deux, donc je pense qu'ils parleraient de ça. Écoutez, si vous voulez, moi je vous dis, j'ai rien de plus à dire maintenant. Et non, maintenant pourquoi maintenant? Ah, parce que plus tard il y aura des trucs à dire. Enfin, qu'est-ce que vous me faites là, vraiment? J'ai rien à dire. Et juste que vous nous disiez la vérité, Hunt. Vos histoires, elles concordent pas déjà avec Duck. Je n'ai rien à dire, je ne dirai plus rien. D'accord. Est-ce que vous comptiez démissionner au final ou pas? J'ai déjà répondu à cette question. Ah non, vous avez été vague. Hein. J'ai dit non. D'accord, oui. C'est bien. Oui, tu es au courant par rapport à Duck ou pas? Elle arrive avec son avocat, c'est tout ce que je sais. Ah, ben j'ai un chef. Et pourquoi apparemment, elle était en mode « Oui, mais vous êtes sérieux, vous avez dit ça à Dunn, donc du coup, il veut un pot. » Parce que, voilà, ah oui, d'accord. Bref. Oui, bah, je sais, mais je sais ce que je voulais dire, puisque Tempest m'a envoyé le screen du SMS. Bah, oui, ce qu'elle dit, c'est complètement de la merde, en fait. Oui, c'est totalement de la merde. Oui, parce que ce qu'on a fait, c'est juste vérifier l'information que Hunt nous a donnée. Ah bah, et qui est fausse, donc voilà. En plus, ouais. Voilà, donc merci. Du coup, double mensonge, deux par jour. Oui, voilà, merci. La baisse regarde, tout ça, demain. Oui, je m'occupe. Nicolas, fou là. Ah oui. Ciao. Oui, du coup, vous venez au commissariat ou pas? Je vous attends ou pas? C'est pas vous que j'ai. Enfin, c'était Cole. Ben, vous avez demandé au gradé, non? Non, j'ai demandé à Cole. Allez, vous voulez venir au commissariat pour voir que Cole? C'est pas vraiment ça. Ah, c'est quoi cette histoire là? C'est une question de. Conflit d'intérêt, on va dire. Que c'est mieux que ce soit Coy. Mais à quel sujet? Tout sera dit à Coy, vous inquiétez pas. D'accord, très bien. Merci, au revoir. Au revoir. Coy, elle veut voir que vous. Ouais. Je vous préviens. D'accord. Vous ne sortez aucune information. Ah non, il veut rien dire. Non mais rien du tout, même sur l'enquête interne ou quoi que ce soit. Si elle vous demande des trucs sur l'enquête interne, eh ben je vais venir. Parce que là, en gros, elle veut parler mais que à ce qu'elle veut. Donc si ça concerne le commissariat et qu'elle vient parler ici avec son avocat ici, du coup vous ne dites strictement rien, c'est bien compris? Et vous dites que vous parlez qu'en présence de votre capitaine. Ok, ouais, je parlerai pas du matériel, rien du tout. Non. Mais parce que là, pourquoi elle veut parler qu'à vous? Je sais pas du tout. D'ailleurs, quand elle m'a appelé durant l'OP, déjà ça m'a surpris. Mais j'ai pas répondu parce que j'avais pas que ça à foutre. Et du coup, elle vient quand là? Bah, elle m'a dit qu'elle appelait son avocate et qu'elle est venue. Elle a qu'à faire comme ça. Et son avocate, pourquoi? Par rapport au dossier au pénal, comme on lui a dit. Ah oui, mais l'enquête est. Mais oui, mais. Ah, bah, le dossier, j'ai à peine ouvert, j'ai même mais pas oui. rempli encore. Mais bon, bref, ok. Allez.
Bon, ça, alors, elle a dit non, mais ça vaut le coup, ça vaut le coup. Bon, alors, tout à l'heure, elle gueulait contre ouais, les criminels de cette ville, la justice, machin, ceci, cela. Et en fait, ouais. Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle sait même pas ça. Qu'est-ce qu'elle fait en fait. Qu'est-ce qu'elle fait depuis des mois en fait. Elle fait que de la merde. Et je l'avais dit, vous savez qu'on a eu une réunion avec. Ben vous étiez là, Coy, vous étiez inspecteur. Oui, je l'ai toujours dit, Coy, j'espère que vous vous souvenez, hein. J'ai toujours dit qu'ils étaient nuls et qu'ils ont fait que de la merde. Alors là, si elle revient, je vous jure, hein, vous me faites venir là, ça va vite être réglé cette histoire-là. Putain, tiens, j'ai fumé une clope. Ça marche. Oui, lieutenant. Oui, capitaine. Je sais pas si vous êtes au courant ou pas, j'ai la mairie qui vient de m'informer que Hunt et Duck étaient passés au SMS il y a une quarantaine de minutes avec leur plaque autour du cou. Très bien, merci Garcia. Merci beaucoup. Pas de soucis. Oui. Au revoir. On veut juste se barrer du Lespini, je sais pas pourquoi. Mais bah alors, pourquoi tout à l'heure vous nous avez dit que non? Vous vous rendez compte de la situation là? Je me suis fait menacer. Ah, c'est entre temps, d'accord, d'accord, très bien. Bon, écoutez, pour l'instant vous avez une mise à pied disciplinaire. De toute façon, vous n'êtes pas là demain, vous n'êtes pas là après-demain, vous m'avez dit. Donc vous inquiétez pas, d'ici deux jours, la situation sera rétablie. Faut qu'on fasse démissionner, faut qu'on aille braquer une banque là? Non, pas forcément. Écoutez, attendez un instant, je vais appeler le maire, savoir si j'ai le droit. Mais bon, vous savez, tout à l'heure. C'est très grave. Ben non, c'est pas très grave. C'est du SPD, quoi, c'est quand même. Il va se renseigner. Mais vous êtes. Attendez, tout à l'heure, vous m'avez dit que vous vouliez pas démissionner. Non, j'ai dit que donc tout à l'heure, vous êtes vraiment bien foutu de notre gueule. J'ai dit que j'ai dit. Moi, ce qui m'est fait, en fait, c'est ça vous gêne. Par contre, ça vous gêne pas de partir dans l'illégal pour monter vos projets de justice sans respecter la loi. Ah, mais on n'a pas dit que vous me parlez. Non, parce que là, en gros, là. Bah, je vais prendre mon cas. Ce que vous me reprochez, c'est de pas avoir ouvert une enquête parce qu'un type n'a rien fait. Mais ça, vous qui avez sorti une radio, une MP5. Mais très bien, vous porterez plainte pour ça. Allez-y, continuez. En fait, non, c'est qu'à la base, vous vouliez pas écouter leur motivation et là, d'un coup, elle vous intéresse. Ah non, non. Alors, je vous le dis, je sais très bien que c'est enregistré. J'en ai toujours rien à foutre. Hein. Qu'on soit clair, vous et moi. J'en ai strictement rien à branler. On est là parce que Duck et Hunt ont piqué une MP5 et une radio. Basta. Ils veulent faire la justice, ils veulent mettre une cape attachée à leur cou, etc., voler de gratte-ciel en gratte-ciel, grand bien leur fasse. Je ne suis pas là pour juger si ce qu'ils ont fait, si leurs justifications sont bien ou mal. Bah alors pourquoi vous le faites? Et parce que vous tournez autour de ça depuis 2 heures. On vous a posé 3 questions, à chaque fois vous déviez sur le sujet. Non, je répondais aux questions de Cole, qui avait l'air de pas comprendre, et on lui expliquait. Ils ont toujours répondu à toutes les questions. Ah d'accord, bah, on va pouvoir continuer. Du coup... l'MP5, parce que ça c'est la dernière question que j'ai posée avant que vous repartiez, après je passais un coup de téléphone, etc., parce que j'ai autre chose à foutre. On vous oblige pas à être là, mais puis c'est non. Oh, bah, oui, tiens, à la base c'était que pour moi. Oui, vous avez raison, je vais me barrer. Tiens, j'en ai assez entendu. Très bien. C'est pas l'ancienne inspectrice? Oh bah si! Surprise! Pardon, excusez-moi. Vous filmez là, vous filmez? Oh, je filme. Je n'en perds pas une miette. Eh oui, c'est Duck, oui. Oui, tout à fait, oui. Il y a le son. Merde.